On met un pied ici, on voilà. S'attrape là-haut. Le pied ici, voilà, oui, comme ça, oui. Un petit arbre. Et de ce côté. Yes. Alors là, tu vois, je me dis que finalement, d'avoir fait de la spéléo, ouais, ça sert. C'est pas un inconvénient. Alors. Donc on a dit qu'on les lançait tout de suite, comme ça on ne les pense plus. Oui. Voilà. Et voilà, la technique est faite, on s'en occupe plus, comme je dis toujours. Voilà. Donc ceinture ici. Et de 1 et de 2. Ah ça va, je suis bien attaché. Le harnais n'est pas trop serré, tu peux attraper les volets. Alors. Ouais. Si ça a l'air bon, parce que le premier cran, tu peux l'attraper. Un cran. Comme ça, voilà. Et deux crans. Et deux crans. Voilà. Alors tu tournes le petit bétonneau là-bas, voilà, et ensuite il faut les mettre ensemble comme ça, voilà, tu les bien comme ça, et là vérifier que c'est bien, l'ergot est bien rentré là-bas au bout, complètement en haut, ouais c'est bon ça, non, c'est le petit ergot qui rentre le, ici, voilà, ouais, donc c'est bon, ah oui, elle est bien fermée. Okay. Alors, les clés sont ici, en haut. Ok. Je vais te mettre le contact général. Voilà. D'accord. Ici en bas. Après, ouais. On le passera batterie plus génératrice. D'accord. Alors, tu mets magnéto 1 plus 2. Voilà, beau ça. Tu pousses l'étouffoir. L'étouffoir. Alors, tu m'as dit qu'il est. À gauche, complètement à gauche, non, en haut à gauche. Ah. Le bouton rouge. Le bouton rouge. Hop là, voilà. Le réchauffe carbu, il est poussé aussi. Oui, c'est bon. On va faire 3 injections de gaz. Voilà. Un petit peu de gaz, les pieds sur les freins. Les pieds sur les freins. Le magnéto 1 plus 2. 1 plus 2. Et le démarreur qui est à droite. Le petit bouton noir à droite. 3, 2, 1. Vas-y. Pour l'avionique master. 1, 2, 3, c'est bon, tu m'entends? Nickel, impeccable. Voilà. Bon, alors donc, moi je pilote main gauche, hein, donc hein. Ok, avant, arrière, gauche. Ah c'est ouais, bon, on est sur 123.5, c'est bon. 125, tu passes la radio 2 à 118.925. Alors là il est baissé, là il est, voilà il est à fond là. Voilà, à fond comme ça, et le squelch tu le montes un tout petit peu. Le squelch, voilà, un petit peu, il est, c'est bien. Si le moteur le fait déclencher, tu le baisseras, hein. D'accord. D'accord, ok. Ok, donc c'est bon, on va rouler pour la 18. Donc la 18. Je vais faire la radio. Ok. Rion, c'est de Fox Eco Sierra au parking, on roule pour le point d'attente avant piste 18, Rion. Voilà. Alors, t'as dit palonnier, ah ok. Voilà, les palonniers, donc tu tournes à gauche. Voilà, vers la gauche. Ah, c'est bizarre ça de t'arrêter au palonnier comme ça. Hop. Ah, ça change un peu, hein. Ah ben, complet, ouais. Allez, vas-y, avance. Alors, les gaz à gauche. Voilà. Voilà, pas trop de gaz. Et on continue comme ça tout droit. Ou alors, ça, c'est le truc classique. Hein. Voilà. Normal. Ah,
Voilà, tu te mets un petit peu à gauche. Voilà, continue comme ça, on fera les essais un petit peu plus loin. Ouais. Voilà, on va faire les essais moteurs maintenant. Voilà, tu réduis. Je garde les pieds sur les freins. Donc les pieds sur les freins en haut. Voilà, je vais te faire la checklist, moi. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, tu affiches 1800 tours. 1800 tours. 10, 7, 8. Voilà, tu fais des essais de magnéto. Alors, left. À peine 100 tours. Voilà, 1 plus 2. Right. Right. À peine 100 tours aussi. 1 plus 2. Le réduit. Réchauffage carburateur. Réchauffage carburateur, donc. Non, c'est l'autre. Alors, il branche même pas. Non, c'est l'autre. C'est celui d'en haut. Ah, pardon. Ah oui. Voilà, ça. Ah si, voilà. Tour. Si, c'est bon. 100 tours. Tu le repousses. Ok. Le ralenti. Ah, dis donc, le ralenti, oups, attends, ouais. Putain. Voilà, tu remets à 1200 tours. 1200. Donc, contact 1 plus 2. Hausse, on est d'accord. Réchauffage carburateur poussé. Réchauffage carburateur poussé. T'avais noté le ramètre, j'imagine. Ok, c'est noté, ouais. 77, je l'ai vérifié tout à l'heure. Repoussé. Bouton rouge, oui. Bouton rouge, ouais, étouffoir. Commande libre dans le bon sens. Alors, commande, alors. Donc en fait c'est bizarre parce que là, d'accord, alors à gauche, à droite, en fait le débattement avant il est, ah oui ok, voilà, et les palonniers, voilà, et les palonniers, très bien, hop. ceinture attachée, oui. Ouais, bien verrouillée, huile, pression et température, donc là on est sur le jaune, et c'est ouais. Quoi ce bouton là, lequel bouton, celui-là. Ça c'est le de la ventil, c'est pour ouvrir le petit clapet pour l'aération. Ah d'accord. Voilà, donc pas de souci. Donc vert, jaune, limite vert, et donc on est. L'essence ouverte sur le right. Donc là l'essence elle est ouverte droit. D'accord, l'autonomie 3 heures. D'accord. Le volet rentrée. Oui. Volet rentrée, oui, t'as dit qu'on démarrait en lice. Batterie et alternateur, oui. Le dégager, oui. Réglage d'altimètre, j'avais mis à 350 pieds, c'est bon. Ouais, t'as mis 350-60 là, ouais, voilà. On est à 1017-18. Le compensateur, il est réglé, oui. Alors le compensateur, tu m'as dit qu'il était... Là, la petite manivelle là, à ta gauche là. À dessous là. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors donc on va décoller au sud. On va décoller sud. Vers le sud, donc on va virer à gauche. Alors le compas c'est celui-ci. Alors, on ne virera pas à gauche tout de suite, on fera une petite baïonnette à droite d'abord, on restera ouais. Au-dessus de la rivière et on tournera après. D'accord, donc ensuite en gros on va suivre l'Ardèche. Hein. On va suivre l'Ardèche. Le Pont d'Arc, on passe au sud. Le Pont d'Arc, les gorges, voilà. Voilà. En cas de panne avant le décollage, ben, on réduit, on freine et on retourne au parking. En cas de panne mineure après décollage, tour de piste adapté. Panne majeure. Droit devant, 30 degrés, droite gauche, je prends les commandes. Ouais. Donc tu as dit vitesse de rotation 100 km/h. Voilà, 90-100, on laisse décoller tout seul. On laisse décoller tout seul. Ah ouais, et les vitesses standard, donc ouais, c'est ça après. En montée, 110. 110 en montée, ok. Et croisière, 150. Et croisière, autour de 150, disons 2400 tours, quoi. 2400 tours, 150. Ok. Allez, c'est parti. À Rions, de Fox Echo Sierra, on s'aligne et décolle piste 18 à Rions. Voilà, comme ça je l'ai mis au max. Ouais. Alors on va bien prendre la totalité de la piste parce qu'elle n'est pas très longue. Ouais. Alors la piste elle est là, c'est ça? Ouais. Ok, ouais. Voilà, on prend la partie qui est la plus dégagée. Voilà, aligné c'est à peu près comme ça, donc tu gardes le manche en arrière. Donc manche en arrière. Au moment de la mise en puissance. Je mets la carte sous les jambes. Ah ben c'est ensuite on le passera en ligne de vol comme ça. Hein. Ouais. Et puis on le laissera décoller tout seul. Ok. Ok. Allez, bien. C'est parti. Donc on lâche les freins.
lâche les freins, écarte les talons. Écarte les talons, plein gaz. Et il est 56. Voilà. Ah, ligne de vol. Ah, ok. Et il décolle tout seul. Rotation. Bon, ben, je vais repiloter ma droite, hein. Ben oui, hein, voilà. Waouh. Voilà, on fait une petite baïonnette pour rester au-dessus de la rivière. Et puis pour question environnement, quoi, pour les gens qui habitent à côté, là. D'accord. Voilà, tu peux monter un petit peu plus, hein. Vitesse 100... Ouais, 110, hein, voilà, tu peux à peu près comme ça qu'on va s'y être monté. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre de piloter main droite, hein, finalement. Au début, j'avais appris piloter main droite, ouais. Je suis mêlé à main gauche. Alors, on va virer un petit peu à gauche, là. Ok. Je vois la bille, elle est là, ok. On va bien, voilà. Voilà, là on va continuer là vers l'avant. Ah, vers la route, vers les toits qui brillent là-bas, tu vois. Donc ouais, Vallon, c'est vers là-bas. Voilà, c'est par là. Bon, le cap 130 à peu près, hein. Bon, alors le compensateur, ça marche comment, ça? Ah ben, en avant tu baisses le nez et en arrière tu lèves le nez. D'accord. Écosserra, on quitte le circuit par le sud, 1600 pieds en montée vers 2005, on quitte la fréquence. Voilà, tu passes sur 128-925. Valréal, s'il vous plaît. Ouais, la 128. Voilà, rappel à l'approche de Valréal. Orange approche de Fox Écosserra, bonjour. Fox Écosserra, bonjour. Fox, bravo Fox Eco Sierra, un PA-18 au départ de Ruance pour les gorges de l'Ardèche. Deux personnes à bord, on monte 2500 pieds, 70-00, pour transiter. Eh bien vous affichez 34-41 Eco Sierra, je vous rappelle. 34-41 Fox Eco Sierra. Alors tu affiches 34-41 au transpondeur. 34-41 au transpondeur, au transpondeur. Ah il est où le transpondeur? Ah oui, voilà, 34-41. 34-41. 41. Voilà. Nickel. Et on monte jusqu'à 2500 pieds, là on va stabiliser. 2500 pieds, voilà. Ok. Un petit palier, comme alors, ça. Alors l'assiette, ça doit être ça. À peu près. Voilà, on va le laisser accélérer à peu près jusqu'à 150. Et là on va réduire un petit peu la puissance. Voilà, tu mets 2400 tours. Voilà, 2400, voilà. Allez, on va arriver vers le pont d'Arc. Alors, là, tu vas partir un petit peu à gauche, là, pour qu'on ait une belle vue du pont d'Arc. Alors, on va d'abord aller voir la face sud. Voilà, va carrément à gauche, là. Allez, je vois le pont, là. Ah oui, ça change complètement en termes de repères, capot et tout ça. Ah oui, tout à fait. Hein. En fait, on a une vue qui est super accentuée vers l'avant, en fait. Ah oui, oui, oui. Mais il y a une très bonne visibilité, c'était des avions d'observation. Hein. Alors, on va passer un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Voilà. D'accord. Après, on fera un virage à droite pour que tu vois bien la face. D'accord. Éclairée par le soleil. Ok. Donc ça, c'est Vallon. Là, c'est le village de Vallon. Ah ben, là-bas, à Chauvet. Voilà, la caverne du Pont d'Arc. On va passer bien. Orange de Alpha Lima de retour sur Visan du côté du Ventoux à 6500 pieds. Aussi, je vous rappelle dans un instant. Voilà, puisque tu es spéléo, tu vois, on est en train de passer juste au-dessus de la véritable grotte Chauvet là. Ouais. Voilà, le pont d'Arc donc sur ta droite. Là, on va faire le... on va aller un petit peu plus loin et faire un virage à droite. D'accord. Fox Alpha Lima, vous affichez 34-42.
Observer de Valréas pour quitter la fréquence. Et Roméo Kilo, vous pouvez quitter la fréquence, repasser 7000 au transpondeur, QNH 1014, allez, au revoir. Ah oui, ça fait une grosse structure quand même, merci, au revoir. Pour votre info, on a réactivé donc les Roméo 55 Bravo, Charlie Delta, si jamais vous avez besoin de passer dans les 55 Bravo tout à l'heure. Voilà, on vous appellera tout à l'heure, merci, au revoir. Vas-y, là, tu tournes à droite, là. Fox Alpha à Lima, je vous informe d'un trafic nord, position 4 nautiques en VFR, détecté 2000 pieds bas et route à l'est. Voilà, tu vois le pont d'arc là à droite. Ouais. Ah, il est beau, hein. Ah, de là, il est sympa, hein. Fox Alpha Lima, vous me recevez? Alpha Lima, je vous reçois, merci, j'ai pris l'information copiée. Monsieur, vous retournez vous poser à Valréas? Alpha Lima, affirmatif. Voilà, là tu peux suivre l'Ardèche maintenant, à discrétion. Mal. Ah, un truc assez sympa, c'est le petit méandre là qui a aux trois quarts arrière de l'avion, là qui a la forme d'un cœur. Ah, trois quarts arrière à gauche. Ouais. Tu vois Pascal là? Trois quarts arrière. Oui, oui, oui. Ouais. La forme d'un cœur. Ça fait un sacré, sacré détour. Hein. Ah oui. Ah, la rivière, elle a choisi le truc le plus simple hein, pour aller à gauche. Hein. Ah ben oui. Clairement là. À l'origine, on devait être quelque part par ici, dans le gîte. Ah bon, d'accord. Parce qu'on avait choisi, un... enfin ma femme avait regardé, on avait choisi un gîte. C'est la Bastide de Virac. Ah, ça oui, doit être okay, quelque ouais. part en dessous, là, je sais alors, pas. Alors la Bastide de Virac, c'est à droite, là-bas, le petit clocher. D'accord, là-bas. Ah ok, ouais, voilà. Alors l'idéal pour bien voir, c'est de ne pas rester trop à la verticale, tu vois. Ouais, tu te mets à droite ou à gauche. Ouais, je vais mettre plus à droite. Ah, donc là-bas on voit la vallée du Rhône, un petit peu dans la brume. Le Mont Ventoux... Je t'entends difficilement quand même. Hein. Ah ouais, tu habites à fond. Donc en... Alpha Lima, vous me rappelez en vue de Valréas pour information, alors, trafic en cours sur Valréas. Le volume est bien à fond. Ouais. Alpha Lima, à 4 minutes de Valréas. Je vous rappellerai à 2 minutes. Si vous passez dès à présent avec Valréas, tant que vous restez en dehors de mes zones, ça me pose pas de soucis. Vous repassez 7000 au transpondeur et le QNH 1014. Alpha Lima, merci, au revoir. Ah, le rocher de la cathédrale qui se reflète dans la rivière, à gauche. Aye. C'est extraordinaire ça. Ah ouais. C'est beau hein. Oh là, ouais. C'est beau. Ça change complètement de ce qu'on voit du côté de Logne. Hein. Ah j'imagine. Rien à voir du tout. Eh oui bien sûr. En termes de richesse, de paysage, de tout ce qu'on voudra. Eh oui tout à fait. C'est vrai qu'après il faut aller relativement loin quand même pour que... Bah après oui pour aller vers la côte normande quoi. Oui, ou alors descendre bien vers le sud, vers le parc du Morvan, des choses comme ça. Ouais, tout à fait, ouais. Mais ça donne facilement une heure de vol, hein. Et oui, forcément. Alors, il est où mon compas? Ah oui, il est 120. Oh ben, tu vois. Voilà, on va arriver bientôt à la fin des gorges de l'Ardèche, à Saint-Martin-d'Ardèche. Ouais, après là-bas, comme ça, voilà, je ne me rappelle plus le nom du patelin. Saint-Martin. Saint-Martin. Donc le cap suivant, ça sera un nord quasiment. Voilà, après tu voulais aller sur Saint-Remez après. Saint-Remez, la Bamberée. Donc en fait, après, c'est de remonter vers Alba, tout en convergeant un peu vers la pointe de Ré. Ah d'accord, ok. Histoire de voir un peu à quoi elle ressemble de près, oui. Enfin de plus près quoi. D'accord. Parce que d'après ce que j'ai vu, c'est le point le plus loin, le plus haut, enfin remarquable le plus haut. Éco-Sierra, on approche. Oui, Éco-Sierra, j'ai Éco-Sierra.
Vous allez faire demi-tour d'ici combien de temps dans les gorges là? On va faire demi-tour d'ici 30 secondes et ensuite on prendra un cap nord vers Aubenas. Ok, pas de soucis. Donc il va être 7. Voilà, donc on fera un virage à gauche là à partir du village. D'accord. Ah, on dirait qu'on sera un petit peu poussé comme ça, non? Oh, c'est pas impossible. Léger. Voilà, là tu peux commencer comme on vire alors. Fox Echo Sierra, c'est un décollage d'Aubenas et retour Aubenas, c'est ça? Décollage de Rions et ensuite on va faire un local sur Aubenas et retour à Rions ensuite. Eh bien pris. Ah, on voit la centrale là-bas. On voit là-bas la centrale de Cruas. C'est Cruas? Cruas, là, ouais. Voilà, donc la Barberée, là, c'est tout droit, c'est la montagne que tu vois en face, là. Alors, là, laquelle exactement? Ouais, les falaises, là, à 11h. Ah, les falaises, là-bas? Ouais. D'accord. Bon, donc, on est sur un cap nord, 2400 tours, 150. Ouais. On a pris 100 pieds. Voilà, un petit coup d'œil sur les gorges de l'Ardèche, là, c'est un joli but de là aussi. Donc, c'était 7, hein. Allez. Ça fait donc du 18 pour le prochain. D'accord. Donc effectivement, ça fait un plateau. Voilà. Essentiellement. Avec des légers vallonnements quand même. Ouais. Et avec la denderée donc qui domine tout à fait. Assez nettement. Là-bas le Rhône. Donc on va faire d'abord la denderée, ensuite, ouais. Ensuite en bas. D'accord. Et là on a une belle vue aussi là avec le soleil, dis donc c'est magnifique. Ah oui, voilà, quand c'est éclairé, c'est sympa, hein. Ouais. Ah ouais ouais. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Ah bah... Pour la vue, la vidéo, la photo, c'est l'éclairage. Ça c'est sûr. Hein. Alors en fait, là, dis donc, l'assiette, ça fait un truc énorme. Ah, par rapport à un meilleur 4-1, ouais. Ah ouais, l'autre, t'es trois doigts là, oups. Voilà. Hein. Faut pas se fier au nombre de doigts. Ah ouais, là, faut... Là, tu vois, j'en suis toujours attends, maintenant. Attends, bonjour. Hotel Delta Golf, on approche. Bonjour, identity, climb as a flagged and I call you back in ship. Qu'est-ce que tu me disais? Maintenant, ce que j'essaye de faire là, maintenant, globalement, oui. C'est d'arriver à évaluer l'altitude sol, enfin la hauteur sol. Ah, la hauteur sol, ouais, d'accord. Hein. Ce qui est pas facile du tout, en fait. C'est pas évident. Non, c'est vrai. Au début, je me rappelle quand on faisait les premiers vols, en particulier avec un ami d'Avignon, là. Ouais. Ou même, ouais, on enfin, Delta, Delta Golf, contact Rhône, control 119.475, good flight. Ouais, mais si. Si tu as... 119.475, bye bye Fox, Delta Golf. Si tu as SDVFR, tu peux le regarder. Ouais, bah SDVFR, il est juste derrière, là-bas. Voilà, on est à 1837 pieds du sol. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. J'aurais dit qu'on était dans les un peu plus de 1000, entre 1200 et 1400 quoi. Bon après je dirais moi c'est réactualisé toutes les 2 ou 3 minutes alors peut-être pas tout à fait mais... Voilà la denderée donc c'est ici. Alors donc là on est quelque part ici, il y avait des lignes de tension, ah ben tiens si on les voit là quand même les lignes de tension. Voilà les lignes de tension, ouais. La tendance à grimper tu vois, je le sens même pas. Ouais. Donc la denderée elle est juste là. Donc Montélimar
Et quelque part à droite, derrière la montagne, j'imagine. Là. Juste au sud de la centrale. Et c'est cette centrale-là qu'on voit, parce qu'il y en a deux en fait. Ouais. Ah oui, Pierre Latte, mais elle est plus au à droite, voilà. Pierre-Latte. Elle est au bout de l'aile. Pierre Latte, c'est un complexe. Voilà. Il n'y a pas de fumée, mais le Tricastin, voilà, on voit les deux tours, mais il n'y a pas de fumée. Là. D'accord. Ok, bon, la dent dorée alors. Hop là. Voilà, la dent dorée au bout de l'aile. C'est magnifique. Voilà. On ira certainement y faire une randonnée là-haut. Hein. Ouais, il y a de belles randonnées à faire là-haut, hein. C'est superbe. On a une belle vue. Ah ben tiens, voilà, je me disais, donc le mont Ventoux là-bas. Voilà, au bout de l'aile. Voilà, là si tu veux aller sur Alba, il va falloir que tu vires un petit peu à gauche. Un peu à gauche, ouais. D'accord. Bah maintenant c'est ça toute la différence, puisqu'en fin de compte au niveau du club, tous les appareils qu'on a, enfin sauf un, ils sont en EFIS, tu sais. Ah oui, d'accord, ouais. Donc okay. Évidemment quand tu apprends à faire de la navigation, ça te sert de ligne de conduite qui est quand même assez... Ah bah c'est sûr, ça oui. Ça simplifie sacrément la vie quand même. Tout à fait, bah oui, et donc, fait, hein. Et donc là évidemment la navigation, eh ben, on n'est pas loin des lignes de tension. Voilà, la petite vallée là qui est jolie là, qui arrive sur le village de Saint-Mantin. D'accord. Alors Alba, j'avais vu qu'il y avait une route, un Y et une boîte de chemin de fer à côté. Ouais. Sur la carte, ça donne un bon point de repère, après en pratique. Oui, oh bon. Ah tiens, il y a une route là. Bon alors donc on prend gentiment mais sûrement d'altitude. Voilà, c'est sûr que sur des avions comme ça, ben on naviguait que avec une carte et une montre, hein. Ouais. Le câble, la montre, c'est tout. Ouais. Il fait tout le plaisir de la chose en même temps. Ah oui, tout à fait. Hein. Ah, là, un collègue pilote, il a traversé la France. Ouais. Il a failli aller jusqu'à Berck, je crois. Ah d'accord. Et en passant, enfin il a zigzagué de façon à ne jamais avoir affaire à de radio. Ah oui. Alors par rapport à la montre, on serait à 18, on est à 3 minutes, 4. Voilà, tu vas un petit peu plus à gauche. Orange approche. Un peu plus rapide. Victor Romeo, bonjour. Un peu plus à gauche pour Alba. Victor Romeo. Voilà, je te dis. Oui, c'est un ULM, Fox, Juliette, Romeo, Victor Romeo, c'est un ninja, deux personnes à bord, on vient de décoller de Carpentras. On voudrait faire un tour dans la secteur au 32, Gigondas, les antennes et retour à Carpentras. Voilà, encore un petit peu à gauche. Fox Victor Romeo, c'est bien pris, vous affichez 34-40 au transpondeur. En revanche, on a des activités particulières en ce moment sur Plan de Dieu, donc rester en limite de ma CTR ne me pose pas de soucis. En revanche, tout le secteur de Plan de Dieu, vous évitez s'il vous plaît. Plan de Dieu, c'est par là-bas. Alors, j'ai bien compris, j'évite Plan de Dieu et je peux aller à Gigondas tout de même. Je vous rappelle dans un instant, je regarde quelque chose. Ah, donc l'Alba, c'est le village que tu as vraiment en face de toi, là, ça. Devant, là, ici, là. Voilà, droit là-haut, droit devant. Oh, c'est formidable. Ah, c'est sympa, hein. Et Sierra Papa, oui, ce sera bon, pour Victor Romeo, pour Gigondas, il n'y aura pas de souci. Vous évitez bien, par contre, vous restez bien à l'est de Plan de Dieu. J'ai bien reçu, j'ai affiché 30-40, c'est bien ça. Firme, et vous me confirmez qu'il est à Paris? C'est un ULM Ninja. C'est bien pris. Bon.
Donc on est juste très vers Montélimar alors là. Voilà, là-bas c'est Montélimar, la ville de Montélimar. Bonjour, je vois. Là-bas il y a le... Chen Trin November X-ray Orange Approach. Bonjour, all identified, continuous clear. Le terrain de Montélimar, c'est celui voilà, qui est au nord là-bas. Au nord de la ville. Ouais. D'accord. La plateforme en herbe. On y avait été il y a 2 ans, ouais. Avec un ami, donc j'ai dit tout à l'heure pilote à Avignon. Ouais. Il était venu me chercher chez mes parents à Alès, oui, enfin, à l'aérodrome de Dau bien sûr. Ouais. Et on avait fait donc une navigation le matin. Ah, oui, en gros entre Alès, les gorges de l'Ardèche, on était passé plutôt le long du Rhône par là-bas. On avait été exposé donc à Montélimar. Ouais, j'ai vu la vidéo là avec le Nova Rotango. C'est ça. Ah, d'accord. Et donc, Action 3 November X-ray, contact Marseille 127725. Bye. 127725, Action 3 November X-ray, au revoir. Ah, on monte encore, hein. Ah. Ah, donc là, là-bas, il y avait des fouilles romaines. Il y a un théâtre romain, il y a un château. Là, c'est le petit village de Saint-Thomé. Ouais. D'accord, donc on est sur 17, donc là, ouais. Bon, ben, et ce qui est génial, c'est quand tu regardes le cap, la montre, ça marche, quoi. Ah, ça marche bien, il n'y a rien à faire. Hein. Ah, ouais, ouais, hein, c'est incroyable. Ah, ouais, ouais. Bon, alors donc après ça sera 2,58, 2,60 quoi. Voilà. Fox, Victor Romeo, pouvez-vous me confirmer votre altitude? Actuellement je suis à 1800 pieds. Ouais, nous on a monté un petit peu, là on lui avait donné 2005, tu descends un petit peu. Descends un petit peu? Ouais. Ouais. Ok. Ouais, on lui avait donné 2005. Donc on vire et on descend en même temps pour... Voilà, ouais, bah, en même temps tu prends ton cap là. Bon, on va faire un point de tournant au-dessus d'Alba. Voilà. Donc il me semble qu'il y avait un château, quelque chose comme ça, enfin... Ouais, tout à fait, là sur la partie droite. En haut sur la... en haut à droite là. En haut à droite, ouais. Ouais, c'est ça, avec 2 tours. Ouais, voilà. Ça fait quand même une drôle de structure. Et si tu vois là de l'autre côté de la route, il y a un amphithéâtre romain. Ah d'accord. Bah, Victor Romeo, vous passez bien route au nord en évitant le secteur, je vous vois encore en route sur le O270. Personne à gauche, tout va bien, à droite aussi. Donc, oui, je vais faire Gigondas et retour vers Carpentras. Ouais, bien pris. Ah, on passe quand même au-dessus là. Voilà, tout à fait. Et pour Robena là, tout droit sur Robena là, là pop, top, tout droit. Ah, tu vois la plateforme de Robena là-bas, non? Le terrain de Robena. Robena donc c'est à droite là. Voilà, la ville de Robena et le terrain à midi. À midi. Voilà. Ouais. La grosse structure en face là-bas. Voilà, tout à fait. Alors on est stabilisé, donc là on va un peu plus à droite. Hein. Voilà, tu descends 2500 pieds. Et on descend. Ah ouais, ça devient bas là, hein. Ah, la sensation, c'est génial. Ah là, voilà, on n'est plus qu'à 1000 pieds sol là. Oui, bah oui. Ah, donc à gauche pour Aubenas. Ouais. Terrain d'Aubenas. Vas-y, à gauche.
Ah, tout droit. Alors on arrive à Villeneuve-de-Berre. Alors, ouais. Ah, Villeneuve-de-Berre à droite là. Alors c'est quoi Benin exactement là? Parce que Benin c'est le village là-bas. Donc oui, c'est la grande ville en face. Ouais, la ville la plus importante là, on voit pas tout là puisque okay. C'est un peu caché par une colline quoi. Ouais. Donc l'aérodrome il est un peu plus au sud. L'aérodrome face à nous là à 1 heure. Il y a sur le plateau, il y a du photovoltaïque qui est installé, tu vois. Voilà, là tout droit là tu vois. Là. D'accord, face à toi là. Orange, Mike Régolf, Charlie Alpha, bonjour. Mike Régolf, Charlie Alpha, bonjour, poursuivez comme autorisé, identifié là. Salut ma Charlie Alpha. Fox Echo Sierra, on arrive en sortie de zone en vue de Robena pour quitter. Echo Sierra, eh bien vous pouvez quitter ma fréquence, repasser 7000 au transpondeur et le QNH 1014, au revoir. 7000 et 1014, merci, au revoir. Alors 7000 au transpondeur, ouais, non, tu as marqué 000, tu n'as pas marqué 7000 là. 727, le premier chiffre. Victor Roméo pour essayer radio. Oui, Victor Roméo, je vous on met sur combien là, standard 5 également, vous pouvez repasser 7000 au transpondeur et repasser avec Carpentral, dernier QNH 1014. Action en piste 20, puis remise de gaz. Et route à l'issue vers le bon retour. Voilà, ok. Voilà, et le transpondeur, tu mets 7000. Ah merde. 7000. Voilà. Ordena de Fox Echo Sierra, bonjour. Fox, bravo Fox Echo Sierra, PA 18 à l'est des installations, 2500 pieds, on rappelle vertical dans 2 minutes. Ok. Donc là ça veut dire qu'on va faire une verticale et ensuite on va faire une verticale et puis après on va aller directement sur, sur la valeur sur Urance. Ouais, voilà. Bon, comme ça on sera dans les temps à peu près. Ouais. Voilà. À côté du vol VFR. Ah ouais, c'est là. Ah ben là tu vois on va arriver au-dessus d'un village qui est Vaugué. Alors on va s'écarter un petit peu pour que tu puisses le voir. Donc là, Ogona, bien visible là. Vaugué sur ta gauche, là, tu vois. Avec le château de Vaugué. Vaugué, c'est un village classé. Celui-là, un village de caractère. Hein. Voilà. D'accord, ouais. Ça m'étonne pas. Un très beau village. Hein. Presque aussi beau que là-bas. Avec son château, la rivière. Donc sur Aubena apparemment il n'y avait pas de trafic. Ouais, ça a l'air d'être bien calme. Ouais. En tout cas ça permet de voir de loin. Oui, on le voit bien. Alors Aubena, voilà, la route là-bas, la route qui mène vers Joyeuse. Alors, il est 25, hein. Bah, c'était l'heure prévue, hein. Ouais, impeccable. Donc après, tu voulais aller faire un survol de la bombe? Après? Du village de la bombe? Ouais. Le Faverol? C'est ça. Ça fait une sacrée piste quand même, hein.
Ouais, il y a 1500 mètres, 1450 je crois. Ouais, ouais, sympa hein. Ça fait que le double de celle de Logne hein. On est sur du 700 ou 750. Ah oui d'accord. Ah, 700. Elle est pas très longue alors, celle de Logne. Je croyais que celle de Logne était plus longue que ça. Ah non non, ah, ah non, elle est courte hein. Ah oui d'accord. Elle est vraiment courte. Bon alors. Ah, direction là-bas, alors je vais te dire à peu près. En gros l'idée c'était de suivre plus ou moins la route qui est en dessous là. Ouais. Jusque vers Rosières, tout ça. D'accord. Et donc là-bas il doit y avoir Vallon Pont d'Arc, qu'on voit distinct, Ruom, il doit être quelque part juste en dessous à gauche là. Tu vois le terrain de Ruom, non? C'est ça là à gauche là? Ouais, tout à fait. Alors, un petit coup sur la carte. D'accord. Ça, ça se matérialise, parce que c'est... L'Argentière, donc, est quelque part à droite, là. Alors, l'Argentière, oui, voilà, c'est... on voit pas bien le village, puisqu'il est derrière la colline, là. Il est dans un trou. Ouais. Voilà, il est sur la droite là. Voilà, là je vais quitter avec Aubenas. Aubenas de Foxy-Cosera, on quitte le circuit par l'ouest, 2500 pieds, on quitte la présence. Voilà, tu passes sur 120.5. 123. Bonjour. Ok, c'est bon. Voilà. Anthony Hotel Golf. Continuez votre Zulu Papa, sort du circuit par l'est. 2000 QNH, à 4 minutes estimées d'une reconnaissance de terrain. À Anthony. L'Argentière quelque part là-dedans alors. Voilà, dans le dans la petite vallée là tu vois. Derrière là, dans le creux que ça fait là. Ouais. Ah, okay. Voilà, ici le village c'est Lorac. Ouais. Devant nous, Rosière puis Joyeuse. Donc après il y a Joyeuse, Rosière. Voilà, Rosière en premier, Joyeuse ensuite. Remise de gaz. Ah, tu peux commencer à descendre un petit peu. Descends vers 2000 pieds. Descends à 2000 pieds, d'accord. Donc la rivière... Et je ne peux pas, voilà, donc là, c'est la vers l'est et le Ventoux, on quitte la fréquence, bon vol et bonne journée. Ah, tu peux baisser, ouais, tu peux baisser un peu la radio. Non, pas celui-là, l'autre, sur la radio même, voilà, un peu moins là. Voilà, comme ça. Voilà, c'était un peu fort. Ah, donc la rivière là-dessous, c'est la bonne. Ouais. Donc ici, la Rosière. Voilà. La maison, la maison Unal, la maison Bulle, là, je sais pas si tu connais. Le non. Truc qui ressemble à un scaphandre là, blanc, au milieu de la forêt. Ah, sur la gauche là, tu vois. Ouais. Là, une maison, on dirait une soucoupe volante. Ouais. Actuellement, attends, non, je vois pas de soucoupe volante. À côté de Chapiaz, là, tu vois, on va tourner autour. Ah, je vois un truc blanc, là. Ouais, voilà, ce truc blanc, là, ouais, voilà. Ouais.
Ah, si tu veux l'acheter, elle est à vendre. Ah bon? Ouais. Il y a 67 fenêtres, 7 cheminées. D'accord, effectivement, c'est original. Voilà. Ah oui, d'accord. Elle est considérée comme une œuvre d'art. Ah, carrément. C'est pour ça qu'elle est très très chère. Bah ouais, j'imagine. Voilà, elle vaut plus de 5 millions d'euros. Ah oui? Ouais. Ah, ils n'ont pas fait semblant là. Ils n'ont pas fait semblant, ils sont partis à 105. Bon, je pense qu'ils ne veulent pas la vendre peut-être. Hein. Enfin, elle se visite, c'est exceptionnel quand même. Tu vas voir sur internet Maison Bulle la bombe, tu vois. D'accord. Voilà. Ah ouais. Avec toutes les à la limite, c'est Barba Papa même. Ouais, peu. Hey. Ça existe en fait. Le gars, il a tout construit lui-même, il a mis 35 ans. Ah oui, d'accord. Il fait une sorte de retour sur investissement, là, pour le coup. Oui, 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 oh non, ça intéresse pas de vendre, je pense pas. Alors, Faverolles, là, aussi, Faverolles, là. C'est la maison des pieds dans l'eau, non, Faverolles? Alors, attends, voir. Alors là tu as l'insolas, la pièce, l'insolas. Faverolles, c'est là où il y a le dolmen bergerie, là, le dolmen abri, non? Je sais pas encore. Il y a juste 4-5 maisons quoi, en gros c'est vraiment ouais. Isolé. La maison de toute façon c'est pas compliqué, on est juste derrière la baume. Hein. Quand on verra la baume, ouais. On verra Faverolles sera juste au-dessus en fait. Faverolles je pense que c'est les premières maisons là tu vois là. Ah oui à 10h là je pense. Ah oui effectivement. On va descendre un peu. Ouais. Voilà, parce que là en haut tu as le Ricatadou là, la maison. Ouais sans doute. Vous voyez la petite route là et tout ça là. Ouais, voilà. Ça doit correspondre à ça. Bon, on est juste à gauche, a priori, là. Voilà, c'est ce que je pensais. Bon, je ouais, c'est ça, on a la place avec les jardins suspendus. Bon, ok. Voilà. Coucou Valérie. On peut lui faire un coucou. Ouais. Voilà, le village. Voilà, mais c'est la maison qui est juste à gauche. Toi, t'as la route qui fait un virage à droite. Ouais. Un petit truc à gauche, t'as un pâté de maison, enfin, 2, 3, 4 maisons. D'accord. Et toi, t'es juste à droite, là. D'accord. Ouais. Vraiment le long de la route. Ouais, ok. D'accord. Et donc on est, ah ben voilà, on est vertical là-bas. Vertical du village. Et droit vers le terrain. Et tout droit, ah ouais, effectivement. Bon. Donc là j'imagine qu'on va se mettre un petit peu en approche. Hein. Ouais, on va. On va regarder un petit peu le vent, si c'est levé ou pas. Ouais. Rion, c'est de Fox Écosera, on arrive à faire des installations. Et on va se reporter les baies de vent arrière, piste 18 à Rion. Ouais, c'est bon, on va prendre la 18. Ouais, il n'y a pas de vent, on va tourner directement comme ça. On va descendre vers 1400 pieds, on n'est pas très loin. Ouais. Voilà, on va contourner. Il y a un avion qui a été sorti depuis tout à l'heure. Oui, il y a deux avions, même il y a plusieurs avions. Ça doit être le DR-200. Ouais, je sais pas trop que c'est. Un Elbas en tout cas. Ouais, un Elbas, ouais. À quoi que tu me diras. Voilà, 1400 pieds, là je vois pas, oui on approche. Ouais. Voilà, on va continuer un petit peu comme ça. Voilà, tu restes à cette altitude. Ouais. Là tu tournes à gauche. On va se mettre parallèle au terrain. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, là tout droit. Voilà, comme ça, là c'est bien. On va réduire un petit peu notre vitesse pour sortir les volets, donc on va réduire un peu. On garde 1400 pieds. Voilà, là tu peux sortir un cran de volet. Alors. Un cran de volet sorti. Voilà, okay. On va rester à 1400 pieds, ne monte 1400. Pas.
Règle de compensateur s'il faut. Rionce de Fox Echo Sierra, on est en étape 2, en vent arrière, piste 18 à Rionce. Vraiment, des fois, c'est belle que ça a rendu au star, on va voir si ça les installations à 2700 pieds. On va prendre un petit peu plus de vitesse là. Ouais, on va perdre un peu de vitesse là. Tardé 110, 20. Effectivement, là on voit la sienne comme ça, elle est bien cadrée. Ah là. Ouais. Il est en train de nous faire grimper quand même. Ouais, on réduit un petit peu, on va descendre un peu là, on pousse un peu sur le manche. Hein. Ouais. Oh non, ne monte pas. J'ai cru que c'est toi qui tirais, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait. Ah non, pas du tout. D'accord. Alors on va réduire un petit peu pour descendre. Ouais. Sinon on sera trop haut. Ouais. Et les sensations, c'est pas du tout les mêmes. Ah non, c'est pas différent. Hein. Bah, surtout en pilotant main droite, tu vois, finalement. Ouais, faut s'habituer à piloter des deux mains. Ouais. Donc on vire là. Voilà, là on va virer de base. Et donc en gros, on va sur la falaise. On laisse descendre, on laisse descendre. Ouais, okay. Tu gardes 110 en vitesse. 110. Ok, on est 1400. Ah. Voilà, on récupère, on continue de vers la falaise là. Ok, je vois l'aérodrome là-bas, enfin la piste. 400 pieds, 100 km/h, c'est bien. Ouais. Ok, donc là on est sur la base. Rionce de Fox Echo Sierra, étape de base, piste 18 à Rionce pour un complet. Voilà, continue à descendre, on prend un petit peu plus de vitesse. Voilà, tout droit comme ça, garde cette vitesse. Ok, 100. De 100 pieds. Continue à descendre. Commence ton dernier virage. On sera pas mal point de vue plat, on va chercher ton alignement. Voilà, là tu sors un deuxième cran de volée. Hop là, deux crans de volée. Ah ben dis donc, on sent la différence. Wow. Ah oui, c'est pas traîné, hein. Ah ben oui. Voilà, on va laisser la vitesse évoluer vers 90 puis 80. Ok, donc on est sur du 90. On n'est pas tout à fait dans l'axe, on est à droite. Ouais. Rionce de Fox Echo Sierra en finale, piste 18 à Rionce. Du 90, on est presque dans l'axe. Voilà, 85, on est bien là, continue comme ça. Bon, on va rajouter un tout petit peu de puissance pour garder 80. Ok, on est 1500 tours. Voilà, vise bien le tout début de la piste, voire la vigne, tu vois. Ouais. Voilà, on va réduire un petit peu la vitesse. Et hop là, un petit coup de pied dans le cul, normal. Allez, on réduit tout, on laisse descendre. Donc on laisse descendre, t'as dit de passer bas. Voilà, on commence à arrondir. Voilà, garde le bien ras du sol. Voilà, comme ça. D'accord. Voilà. Et bien le manche en arrière. Manche en arrière, ouais. Voilà. Et c'est parti. On rentre les volets. Alors, 2, 1, 0. Rionce de Fox, Écosera au parking en Kitafakar.